Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout 4. On continue notre tour des terres de Boston pour localiser les derniers bâtiments que je n'ai pas trouvé lors de notre épopée incroyable hors quête. Et corbeau. Ouais, tire-toi. Donc là-bas par exemple, il y a une antenne. Ça faisait longtemps que je t'ai pas passé à côté des robots. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. C'était une quête cool, hein. Les robots, c'était vraiment bien. Général Atomix. C'était cool. J'en garde un bon souvenir. Alors. On va s'y approcher, là. Ah oui, tout à fait. On l'a en visu. Tout à fait, tout à fait. Fais moins de bruit. Oh là. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Lui ne m'a jamais vu, mais moi je l'ai vu. Quoi? Il y a quelqu'un. Oh, vraiment? Ah, je vais commencer à attendre qu'il se pose des questions ou qu'il repère Biloute là. Ah, ça, c'est du bon tir dans le vide. Hein. Quoi? Grillé. Genre, je suis grillé. Genre. Vous êtes en titane ou ça se passe comment? Bon, bah c'est du 9 mm, hein. On fait avec. Hein. Alors, on a gagné une petite jambe de désarmement. Non, ça c'est rigolo. Ouais, alors attends, faut que je fouille les bonnes mouches aussi, hein, parce que là... Attends, j'en ai buté une là-bas. Attends, parce que les cadavres ils volent un peu n'importe comment ici. Je cherche la bonne tique. Voilà, ça c'est une tique, ok, ça marche, je prends. Et j'en ai fumé une, je crois, par ici. Des courges, la tour radio en question, très bien. J'ai fumé une zabie par ici. Non. Donne-moi tout ça. Ouais, la bonne bouffe. C'est vraiment dommage d'ailleurs que c'est mal exploité ça. Genre ça se ramasse les fleurs de courge, mais ça sert à rien, ça sert pas à planter des courges. C'est limite, t'as presque envie de te demander, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu les as mises? Pourquoi tu les as gardées? Alors attends, je l'ai peut-être buté un peu plus sur la butte. Buté sur la butte. Un bramine. Ah oui, tiens, regarde, ouais, il est là. Il était là, le stick mou. D'accord, donc on vient de voir qu'il y avait un petit... non, c'est ta base, il n'y a pas de porte ni rien, d'accord, je n'ai rien dit. Il y a un autre bramine crevé ici, très bien. Intéressant. Bah, vas-y, active l'antenne, hein. Je sais pas à quoi servent ces antennes, mais je pense que ça sert. Ouais, bah déployer, hein. Je sais pas ce que ça doit... Vas-y, active. C'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est tendu. Et bah non. Ah oui, il y a peut-être un signal. Je vais peut-être avoir un signal radio. Ouais. Signal radio nautique, grivier. Quoi? Un milliard de signal radio? Attendez. Balise automatisée. C'est sérieux toi? Oh l'autre.
D'accord, très bien, mais ça me... Hein? Défaillance du réacteur 3 au niveau inférieur. Niveau de radiation critique. Intervention immédiate requise. Ah, un trou de balle de hinche. Non, plutôt une tête de hinche. Ouais, c'est cool, j'ai trouvé cette radio, mais elle sert à rien cette radio. Niveau inférieur, oui, certes, tout ça, j'entends ce que tu me dis, mec, mais. Et youpi, mais à quoi tu sers, quoi? Un peu comme les trucs que je suis en train de ramasser, là, tu sers à rien. J'apprends des choses qui ne servent à rien. Bon, tu sers à rien, ok. Balise d'abri 88. Ouais. On connaît, classique, Diamond City, radio familiale, radio liberté. Voilà, c'est ça. De Green Briar, on a genre ça. Bunker près de la rivière. On peut plus sortir. Bunker. Si vous entendez ce message, je vous en supplie de tuer ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. J'arrive bien. Bref, ne pétons pas un plomb. Je sais pas où sont ces gens là. Ça me stresse du bulbe. Quoi? On peut rentrer ici? Ouvrir. Jamais rentré là. Je ne suis jamais rentré à cet endroit. Ah, je vais bien vous saouler avec une radio, ça va être bien. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ici le navire marchand Western Bell. Ceci est un appel de détresse. Terminé. Boston, ici le Western Bell. Nos générateurs sont morts et nous essuyons une forte tempête. C'est bon. Vous recevez. Hé, on a besoin d'aide, y'a quelqu'un? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ouais, bon, succession de messages préenregistrés, très bien. Et radio. Ah, c'était toi la radio nautique? Ah, nice, ok, c'est bon. Donc j'en ai trouvé une. Ouh! On est motivé. Hein. J'ai trouvé un truc. On dira que c'est bien. Ou pas. On est où la map? Map. Alors, on est sur la rivière. Mais attends, ton bunker, c'est pas ça, bunker de reconnaissance d'état? Si c'est ça, je l'ai trouvé depuis longtemps, mec. Hein, bunker de Rocco, là. Je vais faire un petit tour de rivière, là. Parce que c'est possible que j'ai pas trop exploité les lieux, hein, visiblement, d'ailleurs. Ah, signal perdu. Bon, déjà, je suis trop loin. Officiel, voilà, je suis trop loin, officiel, les mecs me disent. C'est de l'eau, ça se boit. Ah oui, c'est vrai que moi, je prends plus les rades. Allez, allez, donne. Igloo, igloo, igloo. Voilà, bon, j'ai pris un petit peu de rade, voilà, c'était mignon. Lol. C'était mignon vite fait. Oh, floup, fougère mutante. Ce truc qui sert à quelque chose, à faire de la drogue. C'est bien ça. Je vois qu'il y a des trucs là-bas. Alors on rentre dans la zone du fameux bunker. Je pense que ça va être le... Je crois que ça va être une radio du bunker Theta. Je vais aller vers le bunker Theta et puis si c'est lui, je vais le désert. Ok, je sais pas pourquoi, mais... Je tire une balle. Voilà, ça fait plaisir. Des fois, tu te dis, bon, comme ça... T'es un peu énervé, tu trouves pas les trucs, tu tires une balle, voilà, ça va mieux. Oh, je crois que lui, je crois que lui cherche la merde. Oh, je vais te faire à la main. C'est rare que je tire à la main, alors que j'aime bien ça, quoi. Et voilà, je t'ai calmé. Allez, donne ta dépouille. Voilà, on va pouvoir se faire un petit steak en rentrant, ça va être bien. Oh. Tu vas prendre la max. La max.
contre, je me fais griller tellement vite à cause de l'autre naze là. Ok, petit lot de fonds jeu. Ouais, trop facile les fonds jeu. Il y en a un que j'ai pas fouillé là. J'ai fouillé le luminescent et j'ai pas fouillé lequel. Bah, il est où l'autre? Ça c'est le luminescent, d'accord. Et l'autre? Ah mais l'autre il est là. Le carapace Paul. Trop nerveux le mec, hein. Tu pends direct. Le mec est comme ça. Donc si je comprends bien, en fait, si j'avance par là, je vais trouver un de vos nids, non? Réponse. Réponse, on arrive sur le... On arrive sur le bunk. Je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous en servent. Ils m'ont pas encore grillé, c'est rigolo ça. J'ai l'impression que je fais vraiment plus aucun bruit, hein. J'ai l'impression que si je suis pas collé à l'autre abruti là, les gens ne me voient plus, je n'existe plus. C'est rigolo. Ou alors le jeu bug du cul, hein, bien sûr. Ce qui n'étonnerait personne puisque c'est un jeu bug d'Esta. Évidemment. Voilà. Ok, donc ton message préenregistré, je suis à peu près sûr que c'est le locos qui est derrière. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Nous sommes piégés dans un bunker près de la rivière. Ah, t'as mal tourné toi. T'ont pas assemblé dans le bon sens, frère. Alors, je crois qu'ils t'ont pas assemblé tout court d'ailleurs. T'es pendant un moment, j'ai pris ça pour un, un gisement de fer de Skyrim. Bon, c'est pas grave. Ça se guérit à ce qui est pareil, hein. La radinerie. Ah oui, c'était ça aussi que j'étais venu voir. Ce bout de bateau. Hein. Ah oui, c'était machin radioactif, c'est vrai. Ok. Ouais, coquillage ultra radioactif. Laissons ça où c'est. J'ai une petite collecte de sanguine, hein, parce que c'est rare les sanguines aussi. Hein, c'est. Ça se consomme beaucoup, ça se consomme vite. T'en retrouves jamais, quoi, par contre. Ah ouais, de l'eau, des conneries, des machins. Le bateau est retourné, on peut rien en faire. Voilà, c'est un simple et vulgaire caillou. Ok, je progresse. Ça arrive, ça arrive. Je vais te la couper ta radio. Calme-toi, mec. Enfin, je pense que je vais te la couper ta radio. Et je t'avoue que j'espère que je vais te couper ta radio parce que. Ah bonjour. Ah, en plus, après avoir vu, il y a une pièce légendaire dedans. Ah, vous avez quand même pété une reine comme ça sur le bas-côté. Puis ils l'ont rangé sur le bas-côté, hein, genre tranquillou. Hein. Tranquillou bilou, alors que j'ai pas vu un seul œuf. Y'a pas de nid dans le coin, y'a rien. On sait pas. Je vais aller jusqu'au bout de la rivière. Hein. Bon, déjà, parce que collecte de plantes, comme jamais. À savoir, hein, très bonne collecte de plantes. Peut-être un petit peu radin sur le champignon radioactif. Mais bonne collecte, hein. Bonne collecte. Ah, ça cut. Oui. Oh, tu l'as mauvaise, hein. Ça va être tu l'as mauvaise. Un bon combat. ouais, c'est sûrement, hein, si tu le dis, hein, ça va être un très bon combat, hein, ouais. Ouais, vas-y, parle-lui-en si tu veux ton très beau combat. Dommage, je peux pas dépecer l'ours pour récupérer sa peau. J'aurais pu me faire des vêtements, j'aurais pu me faire une super cape d'ours, oh là là. C'est les jeux qui sont conçus pour les petits gamers. Manque de cœur. Manque de cœur, hein, Fallout 4. Je vais jusqu'au bout, hein. Je pense que c'est comme les rêves, je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout, hein, disait Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques qui disait ça, hein, c'est pas... ah, je peux pas aller par là, d'accord. Donc c'est bon, on est au bout du monde officiel. Ok. Donc, bah, on va se rapprocher du blockhouse. Il est là. Mais non, il est hors zone, quoi. Hein. Le Theta, il est hors zone.
Donc bunker près de la rivière, ok, bah il faut que je me rapproche à nouveau de la rivière. Ok. Parti. Donc là on les a à nouveau. Là on les entend. Là il y a un petit cabanon. Ah, faites des petits feux de camp vous maintenant les rabbits là. Petit bâtard. Non, je continue à percer ta carapace. Quelques petites plâtrées, mon salaud. Quoi, t'es toujours pas mort, salaud? Communiste. Ah, laser gatling légendaire, je fais le temps de voir en entier. T'es toujours pas mort, toi? Oh putain, ils sont solides, hein. Moi, ça me fait marrer, parce que les rats de scorpion sont plus impressionnants que les... Les autres chelous là, que les... Oh les gros là, vous voyez de qui je parle hein, ceux dont je me rappelle jamais leur nom, qui sont des descendants de crocodiles. Genre c'est du petit filleux de croco. Vous voyez pas? Bah alors je vois pas non plus. Oui, vos sources, tout ça. Ah, c'est moi ou la nuit point le bout de son nez? Ah ouais. Et ben moi je propose de dormir un petit 12 heures. Ouais, on dort jamais dans ce jeu, c'est vrai que j'ai un personnage qui dort pas beaucoup. Ou alors des petits 1 heure comme ça, juste pour pouvoir avoir des bonus de craft. Ouais, ouais, vous avez compris qu'on va t'embrouiller un coup. Bien que je devrais pas, je devrais attendre de revenir au... Ah, il y a le chalet de Longfellow qui est en attaque. Oui, bien sûr, comme si j'allais me TP pour aller sur une autre île, lol. Ah, il fait bien un temps pourri, ça fait plaisir. On voit que dalle. Bon, pionçon encore une petite seconde. Parce que... On dira comment il fait jour. Bon, alors. Ouais, trouver le bunker. Ouais, ouais, sur le côté rivière. Ça marche. Je ramène mes fesses, mec. Je fais aussi vite que possible. Ah, cet épisode n'est pas chronométré. Hein. Alors, allez-y. Si vous voulez sauter des moments dans la vidéo, hein, c'est le moment ou jamais. Hein. Là c'est Promenade Man. Le retour. On peut plus sortir. Ah. Si vous entendez ce message. Là, je pense que je suis très près quand même. Hein. Je me sens supplie de tuer ces horreurs. Mais venez nous tirer. Mec, j'ai fait le tour de la rivière, tu saoules aussi, là. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Je sais pas, donne-moi des chips. Ceci était un message pré-enregistré. Il se répétera dans 3 secondes. Non, mais sérieusement, il est où ton blockhouse? Je veux bien, mais Si quelqu'un m'entend. Et où ta radio débile, là? Je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. Il n'y a pas de bunker près de la rivière. On peut plus sortir. Petit bunker, con, va. Bon, j'ai quoi d'autre comme radio? Parce que lui, il est en train de me saouler, là, à pleurer comme ça. Blé. De Greenbrier. Eh hey, mais ce serait pas une de mes colonies actuelles, Greenbrier? Ah oui, alors oui, les points. Pause partie. Tout est à 10 là. Ah non. Ah non. Petit dernier point de chance. Voilà, c'était cool. Greenbrier, fais voir sur ma carte. Ouais, sauvegarde. Ouais, oh, tire pas comme ça, calme-toi. Sur ma carte. Sur ma carte, machin Banks, la Bourbière. Ah, c'est la Bourbière. Ouais, on peut... Lichborer, machin. Je pourrais redescendre vers la Bourbière hein, et voir si j'ai pas oublié un truc par là-bas. Parce que c'est vrai que, après tout, tu dis bord de la rivière, ça peut être assez large. Tiens, il y a un petit bus ici. Ah, signal perdu. Bah non, bah. Non, mec. Je sais pas où est-ce qu'elle est ta radio. Hein. Tout que dans le coin, là, visiblement, ça a l'air d'être surtout une radio que j'ai oublié de couper là. Ça y ressemble pas mal. Là, ça veut dire que si ton si t'as coupé ton message radio, t'es vraiment sur la rivière ou sous la rivière ?
Genre t'es dans l'eau. Si on définit la zone, tu seras à peu près là. Mais même pas là, il y a la tour, il y a rien. On va faire un dernier tour, vraiment, parce que par souci. Par souci de professionnalisme, je refais un tour. J'avoue, je vois pas où ils sont les mecs. Oh. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. On peut plus sortir. Si vous entendez ce message, je vous en supplie, tuez ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Non mais là j'ai de la friture quand je vais par là. Je vous donne tout ce que vous voudrez. Donc c'est pas par là. Puis ça va couper en plus. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. Putain, j'ai un maximum de friture, donc ce n'est pas... Ce n'est pas effectivement ce bunker. Donc, c'est à peu près par là que le signal était clair. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. D'accord. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. Ok. Alors je pense que tu dois parler de nos potes les fangeux en bord de rivière. Si vous entendez ce message, je vous en supplie, tuez ces horreurs. Dans ce cas, il y a la confrérie de glacier qui fout le bordel en même temps. Ah, là. Je peux aller ici. Je vous donne tout ce que une glacière. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. J'aime bien par contre, c'est bête à dire, mais j'aime bien ce système de radio là sur lequel je suis en train de perdre beaucoup de temps. Je trouve que c'est particulièrement très... Oh bah... Aidez-nous. Pam 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 pam. J'ai trouvé le bunker. Here we go. A mon avis, on descend dedans, c'est trop tard. C'est too late. Visiblement, mec, c'est too late. Ah, voilà. Si vous entendez ce... Non, non, c'est bon, on n'entend plus rien, tu nous as saoulés. Oh. Faut que tu penses, mec. Les gens n'ont pas envie de venir voir. Ah, par contre, visiblement, c'est pas les bestioles qui t'ont dépouillé. Hein. Je pense qu'il y a des locaux, ils sont passés dans le coin, ils en ont profité, ils se sont dit tiens, il y a moyen. Et visiblement, les mecs, il y a moyen de se faire un billet. Ouais, que dalle. Moi, je prends tout. Hein. J'aime la ferraille, j'aime tout en fait. Hein. Vous savez, hein, je suis un mec comme ça. Je suis pas discriminatoire sur les ressources, hein, pas trop. Hein. Genre de mec, même si j'ai besoin de rien, j'ai toujours besoin d'un truc. Ok. Ou ça, c'est des coffres vides, ça a été vu. Ok. Les gens sont mourus. Ils ont même pas osé sortir. Oh là là. Pousse-toi, Strong. Il y a un journal à récupérer en bas, pousse-toi. Si je viens ici, là, tu viens. Viens pas. Je veux le Fusroda, là. Là, le Fusroda, il me manque tellement. Bon. Y a rien d'autre? Attends, vous avez même pas un petit coffre mural, rien? C'est vraiment ça l'arnaque? Genre même pas un magazine... Même pas un vieux porno qui traîne, quoi? Sérieusement? Ma vie est nulle. Si. Du coup, la vôtre aussi. Je suis désolé. Désolé de devoir vous dire ça comme ça. Y a un autre point que j'ai vu que... Enfin, que j'ai vu, que je n'avais pas vu, que nous avons vu. Enfin, peut-être, vous avez vu, que je localisais. Faut que j'arrête d'utiliser le mot vu.
J'avais noté que par là il était censé y avoir d'autres choses et que j'avais pas tout vu. C'est quoi là, la grignette? Allez, on se TP à la pépinière Green Top. Tain, level 112, hein. Presque mon level à Skyrim. À 12 niveaux près. Ah là là. Petit niveau à Skyrim, hein, quand même. Ce café bien froilé. Ah, c'est quand même très agréable. Hein. Donc là, on va rentrer dans... On va rentrer dans la zone qu'on appelle Malden, avec le métro et tout. Et visiblement, il y a une espèce d'université, école ou église que j'ai pas vue. Parce que je vous rappelle que, chez moi là, j'ai la carte papier en fait. Des lieux. Que je n'ai sorti là que récemment parce que je me suis dit... écoute, il doit nous rester quelques lieux à voir en long, en large, en travers. Si je les ai pas fait, c'est que je les ai pas croisés ou je les ai zappés depuis. Hein, parce que bon, ça fait... Il y a un petit moment quand même ce let's play, hein, on va pas se mentir. Ça fait un petit moment quand même. Donc bon, c'est parti. Et là, visiblement ici, il manque quelque chose. Ah, bonjour monsieur. La ferme est entièrement... Voilà, voilà, par là, tout droit. On a donné une bonne vie. Merde, toujours là. Alors on donnera une autre. Je vois plus personne. Tu fais quoi toi? Et calme-toi tout de suite là. Oh le mec il est dingue. J'espère qu'il a rien pété ce con. Ça a l'air de bien pousser. Merci de nous avoir aidé à les repousser. À le repousser parce qu'il y en avait qu'un les gars. Heureusement d'ailleurs parce que... Bah voilà. Voilà les autres. Un peu raide le jeu là, hein. Réagis un peu le jeu quand je te demande des choses. Elle est décidément très chiante à défendre cette pépinière. Hein. Lance-missile, la cible est empoisonnée. Ouais, au lance-missile t'empoisonne pas grand monde. Hein. Je pense que t'as vraiment pas besoin d'empoisonner grand monde en fait. Je pense que c'est surtout ça. Ah, on se récupère quelques petits points de vie là, discrètement comme ça. Ah, on est bien, voilà, c'était cool. Vraiment, ça fait plaisir. Ah! Putain, il y a encore des mecs en face, là. Attends, je vais chercher ça, là, parce que là, ça me saoule. Après, vous cassez des trucs, c'est à moi de réparer, là, vous me saoulez, là. Ah! Alors, ce qui est chiant avec cette colonie, c'est qu'elle se fait vraiment attaquer par tous les côtés, hein. C'est vraiment... Putain, il y avait trois lance-missiles, là! Oh les gars, faut se... Voilà, le jeu, il est mignon, mais enfin, il a quand même craqué du bon mauvais shit. Hein. Franchement, tout lance-roquette, calmos, quoi. 6 mecs au lance-roquette, quand même, ça va, quoi. Bah oui, nettoie ça, par exemple. Recycler, non. Non, je voudrais réparer. Hein, on peut recycler ça. D'accord, et on peut réparer ça, oui. Oui. Je vous dirai oui, le pouvoir de dire oui, bien sûr. On parle souvent du pouvoir de dire non. Mais on oublie de parler du pouvoir de dire oui. Très important. Petite colonie sympatoche d'ailleurs. Comment ça, il n'y a pas assez d'eau ici? What? Comment ça, what, il n'y a pas assez d'eau? Poussez-vous! Mais genre, mais cassez-vous quoi en fait. Incroyable ça. Mais vrai. Hein. Ah, les racines dégueulasses, il y en a partout quoi. Déraciner un peu les mecs. Ah voilà, je pense que voilà, faut réparer ça à un moment donné, on va pas se mentir. Là le bout de ferraille par terre, oui, non, peut-être. Ah oui. Il y a deux bouts d'acier nuls. Il y a encore un bout d'acier là. Est-ce qu'on peut se gratter le petit bout d'acier ici là? Ça a l'air d'être compliqué, visiblement. Alors, wow wow wow, doucement. Ah ça s'est réparé. C'est nettoyé. Puis il y a enragé. Putain, il y en avait encore un ici, quoi.
Ça va, hein, y a pas eu, y a pas d'abus, hein. Tout va bien. Aucun abus. Aucun abus, tout va bien, vraiment. Touk. Petite racine, j'en profite, je nettoie. Je nettoie parce que moi ça va me libérer de la place pour plus tard. Faut pas l'oublier. Ouais, ce petit bison, je vais virer, ça je vais virer, ça je vais virer, ça aussi. Je me fais de la place, hein. Je me crée de la place, un peu d'espace. Voilà. Un peu ce genre de choses, voyez-vous. Voyez-vous. Ouais, cet épisode, n'importe quoi, hein. Ouais, je suis d'accord avec vous, hein. Vraiment, on sait pas ce qu'on fait. On fait du lieu, on fait de l'aménagement, du nettoyage, tout ça. Ouais, on fait un peu de tout, hein. Franchement, voyez, moi je fais dans l'aménagement, mais pas que. Voilà. Il faut aussi savoir se diversifier dans son activité. Je pense que c'est important. C'est vraiment important. Ah. Voilà, on vire du buisson. Une planche, on peut pas y toucher. Ça, je peux le virer. Ça, je peux le virer aussi. Ouais, tout ça par là, ouais, voilà, vire-moi ça, c'est bien ça, c'est quoi, un vieux tas d'ordures, c'est bien les vieux tas d'ordures, hein. Mais surtout quand c'est pas chez moi, hein. Quand c'est chez moi, je suis un peu moins fan, voilà, là déjà, c'est déjà plus cool, voilà, déjà c'est plus cool. On apprécie. Voilà, ça dégage un peu. On y voit plus clair. C'est appréciable. En plus de rentrer de la ressource, au passage. Dégage un peu la vue. On est bien. La vieille maison, je la garde, moi. Je garde la vieille maison. Décidez de garder les vieilles maisons. Gros générateur électrique, c'est vrai. La bagnole qui a cramé, qui a explosé la première fois que je suis arrivé ici. Je la garde aussi. Très jolie. Très belle déco. Vraiment, ça nous rappelle un monde où, voilà. Où il y avait des choses extrêmement intéressantes. Où de tôle, là, il dégage. Les gens ne récoltent pas. J'aurais perdu des colons dans ma lancée. C'est pas intéressant, ça. Pas intéressant de perdre des colons comme ça. Ça parce qu'on a été privé d'eau pendant 10 secondes. C'est d'ailleurs assez chiant pour ça. Ça, ouais, vire-moi le gros bac en céramique nul. L'outil, je vous le laisse. Ça fait genre. La pelle sert pas à grand chose, mais ça fait genre. Ok. Ok. Pas des racines ici. Là, ouais. Ouais. C'est un peu le bordel, mais je vous laisse pour le RP. Hein. Ça, je le vire parce que c'est vraiment au milieu. C'est vraiment tellement au milieu. Ah, là, ça. Viens-moi ça. Très bien. Ok. Pipo, je laisse par terre, ça fait un style. Un style, on n'est pas contre le style. On n'est pas hostile envers le style. Ouais. Ça a l'air de bien pousser. Très bien. Parfait, alors qu'est-ce qui lui manque à cette colonie, hein, tant que j'y suis, hein, parce que, hein. Voilà. Ce qui lui manquait à cette colonie, c'était de virer un brin d'herbe de trop. 18 en flotte, ils sont pas mal, bien que c'est pas... ça casse pas des briquetons non plus, hein. On pourrait leur rajouter un peu de flotte, je pense. Je pense que, voilà. Un petit peu, Ah, mais bon, c'est quoi ce truc? Abri? Oula. Cyclotron... laisse ça. Voilà. Truc d'eau. Ah, il va me manquer de l'huile pour ça? J'ai zéro huile? Non. Bon. Attends. On va se remettre en mode recyclage. Non, mais arrête. On va clear un peu. Hein. On va cleaner tout ça un peu. Faut que je m'occupe de cette colonie. Vite fait. Tant pis, on poursuivra dans un prochain épisode la suite s'il faut. Je suis genre de mec comme ça.
Ouais, non, ça c'est... On peut pas... Je peux pas recycler ce truc. C'est rigolo. Ça c'est très rigolo. Ok, tissu liège. Hein, il y a un truc dessus là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Cuillère en bois, d'accord. Parce que je suis un humain. Il est con lui, hein. Décidément, hein, t'as pas inventé le fil. Mais toi, tu travailles pas? Et ici, femme. Viens travailler. Schnell. Arbeit. Là, j'ai cru comprendre que vous manquiez de bras ici. Non. Hein? Ah, là, il manque des bras. Au boulot. Toi, tu fais quoi dans ta vie? On sait pas. Ah, vous êtes des gardes de... Ah, c'est Armurman. Bonjour. Lucas. Salut, Lucas. Le meilleur moyen de défoncer vos capsules, c'est de protéger votre peau à l'aide d'une de mes armures. Et le conseil est gratuit. Ah, super. Je te remercie. D'accord. Si vous pouvez te choper un petit peu d'huile. Les prix sont fermes. Je déteste négocier. Ça me donne mal au crâne. Ok. D'accord. Acier, cuir, fibre, tissu. Tu m'emmerdes, Lucas. C'est pas que je t'aime pas, mais... Ah oui, c'est vraiment... Waouh. Dans les armures, tu vends du légendaire? Parce que je crois que je suis pas sûr de t'avoir acheté ton légendaire. Si, je te l'ai acheté. Écoute, qu'est-ce que tu dis de m'acheter quelques conneries pour m'alléger un peu? Là, je suis un peu lourd, là. Je libère un peu de place, comme ça. Et je suis ferme sur les prix, hein, attention. Hein. J'aime pas trop beaucoup négocier. Hein. D'accord? Ça me fatigue. Ça me frappe de narcolepsie, c'est terrible. Après, je dors mal. C'est trop. C'est trop. Je sais pas encore un truc poivre, là, voilà, quelques trucs poivre, vite fait. Ils valent pas grand-chose, genre des merdouilles comme ça, voilà, c'est très bien. Parfait. Merci, Lucas. Bien aimable. Même si tu n'as pas d'huile. Et c'est chiant. Il me reste encore des trucs à recycler un peu partout. Donc là-dessus, on a quelqu'un. Très bien. C'est parfait. Ok. Je finis mon tour de nettoyage. Hein. Y a pas à discuter. Parce que c'est important. Ils ont des jolis petits lits quand même, les mecs. Hein. Je les ai bien installés. Ça fait plaisir. Ok, on est pas mal. Toi, t'as pas de job. Il y a quelqu'un à la def ici. Ah, mais attendez, j'ai encore du marchand ici, là. Arme, voilà, du général. Merci. Très bien. Du coup de main. Avec plaisir. C'est un plaisir d'avoir. Vous tombez à pic. Ok. Bref, on est reconnaissant. De rien, ça me fait plaisir, hein, vraiment. Je parie que j'ai quelque chose. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, troqué. Voyons ce que vous avez là. Excellent. Parce qu'en fait, ta vie, c'est pas que j'en ai rien à foutre, fifi, mais quand même, un peu. Voilà, ça je prends, hein, toujours. Hein. Ouais, ça aussi. Les trucs nuls, j'aime bien prendre. De l'huile, bah voilà, on en parlait, de l'huile. On en parlait, de l'huile. Voilà, de l'huile. Vite, beaucoup d'huile. Ouais, je sais, j'achète tout. Ouais, c'est un peu maladif chez moi, hein, vous inquiétez pas. Ça ne se guérit plus. On est obligé de faire avec. De l'huile. Ah, de l'huile. Je vous ai dit que je cherchais de l'huile. Ouais, le microscope... Ouais, je vais prendre des tas de trucs, parce que, en fait, voilà, j'aimerais bien te vendre mon merdier. Je pense que je partirai plus légende vendant mon merdier que, voilà, avec 3 bouts d'alu débile ou des choses comme ça, tu vois. Qui valent cher et qui, du coup, sont moins lourds que tout le bordel que je porte. Ah, j'en trimballe du bordel. Pouf. Vas-y, balance. Et c'est bon. Rognac. Ouais, pièce de combat, arme, ok. Puis-je te vendre des gros canons? Grand arrêt. Laser Gatling, du coup, elle faisait quoi, elle? 25% de dégâts accrus de 25. C'est pas mal. C'est pas mal. Laser Gatling, est-ce que je me garderais pas derrière, tiens, une petite arme comme ça, genre pour après aller dans la confrérie d'acier? Ouais.
Je me demande, parce que je pensais lance-roquette, vu que je m'en sers jamais. Je dis bon, lance-roquette, mais bon. Lance-roquette, tout ça. Enfin, lance-missile ou leur copain, si tu veux, c'est un peu explosif très vite, quoi. Vas-y, prends tout, hein. Vraiment, prends tout. Hein. Je négocie rien. Normalement, j'aurais dû me mettre en tenue de marchand. Je négocie plus rien. Prends tout, vraiment, j'insiste. Prends tout sauf mon chapeau. Hein. Mon fedora. Mon chapal. Madame, je vous ai filé mon chapal ? Ou je l'ai refourgué à quelqu'un d'autre par accident. Il semblerait que j'ai refourgué par accident mon chapal à quelqu'un d'autre. C'est embêtant ça. Ah, vous êtes full madame, vous pouvez plus rien acheter. Excusez-moi. Poids en plus, genre elle est super lourde quoi. Pas du tout relou. Pas du tout hein. Voilà, 410. Attends, on va peut-être encore pouvoir refiler quelques merdous. Genre ça, ça ne sert à rien. À part être vendu, ça ne sert à rien d'autre. Ouais, c'est très bien. Bah voilà. Ça me paraît bien. Au revoir, madame, bonne journée. Salut. Bonjour. Vous cherchez des vêtements ? Et un chapeau. Voyons ce que vous précisément. Avez. Excellent. J'ai pas mis mon chapeau, je sais pas ce que j'en ai foutu, madame. L'auriez-vous vu, madame ? Tu fais dans la tenue. Ah, c'est rigolo. J'ai gardé des gens comme ça, moi. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ok. Rien ne m'étonne de ma part, vous inquiétez pas. Ah si, il est là, mon batteret de Fedora. Ah ouais, je m'en serais voulu. Avoir vendu mon chapeau, je m'en serais voulu personnellement. Attention, ça aurait été une affaire personnelle entre moi et moi. Ça c'est déjà cuit, on s'en cogne. Ça pareil aussi, on s'en fout. Ça je peux le garder, ça je te le vends. Ouais, c'est un peu chiant, je sais, je suis désolé, mais... Faut que je vende un peu là si on veut continuer à bouger. Sans irradier pour faire des trucs dont je ne me sers jamais, youpi. Des viandes, des machins, de la picole. Ah, la picole on garde. Je peux pas la vendre la picole. C'est comme ça, c'est psychomoteur, je suis désolé. Ouais, bon bah on dira que c'est bon. Hein. Ah, attends, j'ai des merdes comme ça là. Des améliorations de laser au fion là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Allez, adjugé vendu. Très bien. Du coup, et on peut repasser en mode construct. Alors, on disait, non, je voulais pas être dans les lumières. Non, ni dans les générateurs, en fait. J'étais dans l'eau, à la base. Vous voyez, moi, je suis un mec, je fais dans l'eau. Voilà. Voilà. Notre objectif, à la base, c'était de planter, genre, un bidou comme ça. Voilà. Très joli. Très, très joli, hein. Incroyable. Bon là ça passera jamais, hein. Faut que je mette un bignou. Oh bah attends, tu peux atteindre ce bignou là. Ah ça a l'air d'être chaud. Ah ça a l'air d'être chaud pour toi. Attends, est-ce qu'on peut pas du coup peut-être un peu mieux te placer? Genre, attends, un peu surélevé comme ça tu vois. Genre un peu dans l'abus. Voilà. Oh, c'est vilain, c'est génial. Et voilà! De l'eau pour tout le monde, les enfants. Ici, j'avais installé deux commerçants. Ok, il y a 1 milliard de plumards, c'est pas mal. C'est pas mal, en fait, vous êtes bien installés ici. En vrai, je me suis pas foutu de votre tête. Wow, je peux virer ce buisson, hein. Superbe. Superbe. Je peux virer tous ces buissons-là moches. Ah, tous ces buissons moches, là. Non? Si, peut-être. Peut-être ben, mais à première vue, je suis pas très bien placé. Et ces buissons moches là. Non. Ouais. Ok. Ok, ok. Ah, ça. Oui. Il va plus clair. Hein. D'ailleurs, j'ai pas nettoyé l'intérieur. Attendez, je vais nettoyer l'intérieur. Ouais, vous en foutez. Hein. Ouais, vous avez déjà tous quitté la vidéo, je vous crois sur parole. Oh là, oh là, oh là. Oh là, arrêtez. Hein. Voilà, on nettoie. Fait genre c'est un peu moins dégueu quoi. Très bien. Toc 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 toc. Par là, la serre elle a encore des cheveux là. Allô.
prend soin de nos colonies. Il faut prendre soin des autres. Prendre soin des autres. Prenez exemple. Ceci est un bon exemple. Ok, donc on a plein de mecs chez moi qui ne servent à rien. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, il nous manque des commerces. Donc on va pouvoir ajouter des commerces. Il nous manque des producteurs, des fabricants, des genres de trucs un peu chelous. Des chelous-man. Il nous manque quelques chelous-man. Donc on va s'en ajouter quelques-uns. Non, c'est par là, je crois. Ouais, je crois que tout est par ici, chez moi. Ouais, c'est ça. Botaniste, non, hein. Boucher, ça peut se faire, un petit boucher. Un petit boucher, ça se place, hein. Comment on pivote, déjà? Ouais, comme ça. Trop fort. Trop fort, trop OP. J'avais mis le bar à l'intérieur, parce que, évidemment, je suis un génie, donc j'ai mis le bar à l'intérieur. Voilà. Très bien, ça, très bien. Tiens, regarde, t'as été promu boucher. Félicitations. Il y a d'autres commerces comme ça que je pourrais vite fait gratter, mettre... voilà, bah ça, alors ça, si ça c'est pas une idée. Voilà, enterrer son prochain, ça met tout, ça donne toujours un peu de morale. Voilà, vraiment, débarrasse-toi de ton prochain, tu verras, il te remerciera. Ouais, parce que ça rime en fait. Toi t'es un settler occupé, ça c'est un truc recyclé... des gens qui servent à rien. Ouais, j'ai trouvé ça à côté du bar. Gens qui servent à rien, je vais trouver vraiment ça. Ah, toi t'es déjà occupé. Affecté à la défense, ah oui d'accord. Alors j'étais trop chaud, j'étais affecté à la défense quoi. Et ben voilà, regarde, un settler qui sert à rien. Hop là, c'est pas magnifique ça. Allez. Les gardes de la pêche. Hein. Les brahmines, poste de caravane marchande. Ah oh, ouais ouais ouais, nouveau garage. New garage. New garage, voilà. En fait c'est le new garage. C'est le poste commerçant. On a plus de commerçants qui viennent. Une cloche. Pour sonner l'alarme. Non. Pas tellement. Et des trucs débiles. Ok. Alors moi ce que j'aimerais juste check, c'est si j'ai encore assez de ressources pour pouvoir installer un nouveau marchand. Et après, je vous fous la paix. Et on se retrouve dans un autre épisode. Bon oui, bah là on va pas se mentir, on va se retrouver dans un autre épisode. Des armes. Ouais, des armes. Ouais, des armes. Est-ce qu'on se dit que les armes c'est un peu sensible et ça devrait être en intérieur? Voilà, parce qu'on est un peu des pros, tu vois. Qu'est-ce qu'il... Wow, l'autre il a pété un boulard, quoi. Direct. Genre comme ça, tu vois. Genre c'est pas très droit, mais attendez, on va remettre ça bien. Non, plutôt comme ça, ouais. Ouais, ça me paraît bien. L'alignement est pas mal, hein. C'est pas parfait, mais... on est pas mal, quand même. Quelqu'un qui glande. Chef, t'as plus personne qui glande dans ta colonie, hein. Ah, Glanderman. Félicitations. T'es devenu vendeur de flingues. Professionnel, en plus. Professionnel, en plus. T'es, il reste plus que 16 colons, hein. Y a du mec... Y a des mecs qui ont des... Cette colonie, elle passe vraiment son temps à se faire attaquer, hein. D'accord avec toi, mon bon Strong. Il est où l'autre? Bon, il faut que j'installe plus de défense. Tiens. Ouais, merci vieux. Mange. Ok, ouais, ouais, merci. Avant pourriture. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on a encore du volontaire qui traîne? Du genre volontaire. Est-ce qu'on a encore des gens qui glandent rien chez nous? Est-ce que ça se trouve encore? Est-ce qu'on peut installer un néo-commerçant encore? Ou vraiment, c'est bon, on en a abusé assez. Et du coup, c'est terminé. Première vue, c'est bon, on en a assez abusé. Ok. Ouh. Eh ben... Hein? Qu'est-ce que je... Mais non, fais pas ça. Voilà. Merci, je prends tout. Voilà.
oui, on a une chapelle Sixtine à voir dans le prochain épisode. Je pense que effectivement, je vous ai assez saoulé. On va rentrer dans cette ville dans le prochain épisode. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Code d'Habitude Gaming pour Fallout 4. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.